Liara, vous avez des infos sur la mission? Oui. Et je comprends pourquoi le haut commandement restait discret. Nous allons dans un monastère Ardatiakshi. Ardatiakshi. Comme Morinth? Morinth a choisi d'être une tueuse. Ces Ardatiakshi se sont isolés pour éviter ça. Mais elles ne sont pas inoffensives. Leur soif peut être puissante. Le haut commandement a donc envoyé des commandos suite au signal de détresse du monastère. Les Asari nous envoient au feu? On a un plan? Au moindre signe de rébellion des Ardatiakshi, les commandos devaient nettoyer les lieux. Nettoyer? Vous voulez dire détruire? Elles ont dû amener des explosifs puissants, oui. Morinth était dangereuse, mais les Ardatiakshi sont réellement une menace? Morinth avait trouvé son rythme. Une Ardatiakshi tueuse laisse derrière elle des montagnes de cadavres. C'est pour ça qu'elles sont isolées. Et qu'elles sont une honte pour toutes les Asari. Le haut commandement n'a donc de cesse de vouloir détruire ce lieu. Il ne laissera pas une seule Ardatiakshi s'évader. Ne préjugez de rien. Le signal de détresse a pu être émis par les Ardatiakshi. Si les Asari veulent qu'on détruise cet endroit, on doit savoir ce qui s'est passé. D'accord. Une fois le haut commandement informé, plus personne ne mourra pour rien. Une autre navette. Encore chaude. L'ascenseur est saboté. Pour empêcher d'entrer ou de sortir? Ça a l'air proche. Un peu trop proche. C'était quoi? Ouvre l'œil. C'était le capitaine des guerrières d'élite. Elles se sont battues à mort contre les moissonneurs. Ce monastère est paumé. Pourquoi les maçonneurs frapperaient ici? T'as trouvé quelque chose? Une carte qui indique la position d'une bombe. Elle se trouve dans le grand hall. Alors les commandos avaient commencé la purge. Ardatiakshi ou pas, évacuer cet endroit aurait permis de sauver des vies. S'il n'y a pas de survivants, allons au grand hall actionner cette bombe. J'ai entendu un bruit. C'était moi, pardon. Thank you.
Excellent. Je vous ai à peine entendu. Samara? Cela faisait longtemps, Shepard. C'est un réel plaisir de vous voir. Ces lieux ont été corrompus. Vous avez dû venir par vous-même, probatrice. Peut-être pour une raison spéciale. En effet. Deux de mes filles vivent ici. Je suis venue pour elles. Seule notre volonté nous fera vaincre, Shepard. Vous m'avez rencontré en traquant votre autre fille, Arda Tiakshi. Celles-ci sont aussi dangereuses. Valère et Rila ont obéi aux règles du monastère dès leur arrivée ici. Elles n'ont montré aucun signe de violence. Vous êtes ici pour les sauver. J'en suis responsable. Je ne peux pas les abandonner, même si la galaxie s'effondre. Alors on y va. Peut-être que vos filles pourront nous dire pourquoi les moissonneurs sont ici. Je pense qu'elles auront beaucoup à dire. Je ne les ai pas vues depuis des siècles. On n'a plus le temps. On se reverra. Je vais repousser ces créatures. Attendez! On y va. Je m'appelle Tashia Poré. Je suis blessée, grièvement. Tenez ça à ma compagne, Veshra. Je lui ai dit d'aller à la citadelle. Et dites à Veshra que je l'aime. Dites-lui... pardon pour ce combat. J'ai été bête. Je pensais pas ce que j'ai dit, Veshra. Je te donne tout ce que je possède. Ok? Je t'aime. Tellement. Je me demande pourquoi c'est à nous de faire le sale boulot des Asari. On a besoin d'elle avec nous. Alors le haut commandement Asari nous devra une fière chandelle. On est d'accord. Qu'est-ce que ces moissonneurs ont fait? Aussitôt que possible. Shepard, voici Falaire, ma dernière.
Elle et sa sœur Rila sont des Ardath Yakshi. Elles ont été... Mère, ils ont pris Rila. Quoi? J'ai vu plusieurs de ces choses l'emmener dans le grand hall. J'ai essayé de l'atteindre. Qu'est-ce que les moissonneurs foutent ici? Ils nous moissonnent. Ils font de nous... ces choses... des monstres. Allez, on ne peut pas laisser tomber Rila. Les Asari blâmaient les Ardath Yakshi pour cette attaque. C'est notre maison. On est heureuse de vivre ici. Le monastère offre aux Ardath Yakshi un lieu où exister en paix. Faller dit la vérité, Shepard. Je m'en porte garante, avec fierté. On doit trouver Rila en vitesse. Il y a une bombe dans le grand hall. Une bombe? Vous n'êtes pas venu nous aider? On essaie, Faller, mais cet endroit doit être détruit. Vous parlez comme les commandos. Et elles n'ont rien fait pour nous. Faller? Désolée. Faller! Le grand hall. Elle cherche Rila. On se retrouve là-bas. S'il vous plaît, faites vite. Il faudrait une barre à mine pour enfoncer ces portes. Cet endroit était magnifique avant l'arrivée des moissonneurs. Thank you.
Un autre commando a été submergé? Ça devait être un vrai bordel, ou elles ont paniqué. Les commandos Asari ont des années d'expérience. Elles ne paniquent pas. Les années d'expérience importent peu. On ne sait jamais ce qui va briser une unité. Voilà la bombe. Et Faller ? Regarde, elle vit encore. Je sais, mais je pense qu'elle est mal en point. Rila n'est pas un monstre. C'est impossible. Il suffit qu'on la réveille. Rila ? Rila ! Tu m'entends ? Ils ont commencé à en faire une des créatures des moissonneurs. Je suis désolé. On peut faire sauter la bombe? Il nous faut un détonateur. Le commando devait en avoir un. Il faut le trouver. Plus tard. Entendu.
le dernier. Pour l'instant, retournons à la bombe. Pour moi, il en vient des centaines. Va-t'en. Fuyez. Non, Rila. Je t'aime. Rila. Nous ne sommes pas vos esclaves. Rila, nous n'avons même pas pu nous dire adieu. L'endoctrinement est implacable. La volonté de Rila était puissante, comme son amour pour toi. On l'a abandonnée. Rila a fait son choix. Et ça m'a rappelé ce qui est vraiment important. Pourquoi j'ai juré de sacrifier ma vie. C'est-à-dire ? Falaire. Le code exige que les Ardatiakshi ne vivent pas en dehors d'un monastère qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous faites ? Désolé, Shepard. D'après le code des probatrices, il n'y a qu'une façon de sauver Falaire. Mère, non ! Mes filles, vous étiez bien... Laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites ? Je respecte le code. En sacrifiant votre vie ? Je ne tuerai pas ma fille. Ce ne sera pas la peine. Falaire ? Je reste ici. C'est ma maison. Même dans cet état. Sans un véritable monastère ? J'aurais pu partir à tout moment. Je respecte mon propre code, avec ou sans mur. Quant aux moissonneurs, ils ne mourront pas vivante. Je le promets. Alors, le code te permet de rester ici, comme tu le souhaites. Une fois la guerre terminée, et si je le peux, je viendrai, en tant que probatrice. Je comprendrais que vous vouliez aider Falaire à se bâtir un abri. Ça attendra, car je dois désormais lutter contre les moissonneurs. Je veux parler à Falaire avant de rejoindre vos forces. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. Ce serait un honneur. Tout l'honneur serait pour moi, mon cher. Nous avons réglé la situation. Amenez la navette. Ok, commandant. Je suis la fumée.
J'ai lu votre rapport, commandant. Nous ignorions que la situation s'était autant dégradée. C'est pour ça que j'ai actionné la bombe. Que les Ardakyakshi trouvent le repos. Ce que les moissonneurs leur ont fait est monstrueux. J'avais envoyé d'autres commandos vers le monastère. Ils sont désormais officiellement sous les ordres de l'amiral Hackett. Elles serviront loyalement, commandant. Au revoir. Il y a un nouveau message sur votre terminal privé. Des nouvelles de l'agent de Trace? Elle n'a pas fait de rapport depuis plus de 8 heures, docteur. Elle était sur Valshir quand les moissonneurs ont attaqué. On peut imaginer le pire. Dites à l'agent Calamis qu'il est maintenant chargé de l'observation des moissonneurs passé le relais de l'OAS. Pauvrerie, là. Mais je suis contente qu'elle ait fait sauter cette bombe, Shepard. Ça ne vous agace pas que le monastère ait été détruit? Non. Pas après ce que j'y ai vu. Ardakyakshi ou pas, peu importe. Vous avez vu ce qu'elles sont devenues? Personne ne mérite ça. Tout le monde combattait les Rakhni pour tenter de les repousser à travers le relais. Finalement, on a lâché les Krogan et ils les ont arrêtés. Je vois. Mais quand les Krogan se sont rebellés, on a dû libérer le Xénophage pour les arrêter. Et il y a eu d'autres rébellions. Un millénaire plus tard, les Geth se sont révoltés contre les Kariens. Ça a fini en guerre ouverte. Puis sont arrivés les humains. Mon propre peuple les a affrontés quelque temps. Et pour couronner le tout, il y a eu les moissonneurs. Et vous alors ? Les Oravor affrontèrent les Dansorin. Les Enduromi triomphèrent des Vendomar, et les Aatil s'attaquèrent aux Zaa. Bon. On dirait que personne ne garde la tête froide. Les Sinril disaient avoir trouvé le chemin de la paix éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Dithakur aimaient la guerre et les détruisirent. J'espère que vous aviez de l'alcool. Une partie de l'équipage semble choquée par les monstres que nous avons rencontrés. Ils n'ont pas vu les abominations dont les moissonneurs sont capables en un siècle. C'était notre guerre.
Chaque bataille révélait un nouveau cauchemar. Samara est le genre de soldat dont on a besoin. Rien ne l'arrête. J'espère juste ne jamais être sur son chemin. Cette femme ne plaisante pas. C'est une tactique brillante quand on y pense. Mais diabolique. À la guerre, on ne s'arrête pas à ça. Ouais, mais convertir d'autres formes de vie en moissonneurs, c'est bien trop pour moi. C'est plutôt malin. Ça permet de toujours disposer de chair à canon. Et ça élimine toute résistance locale. Pour chaque soldat gagné, l'ennemi en perd deux. Celui qui est converti et celui qui ne pourra pas tirer sur un ami. On dirait que vous les admirez. Tout comme j'admire un virus ou un dévoreur. Ils sont parfaitement adaptés à leur environnement. Mais les moissonneurs veulent nous détruire. Et ils peuvent toujours courir. Mais si on respecte pas les aptitudes de l'ennemi, alors on va de sale surprise en sale surprise. Cet humain a une vision très naïve de la guerre. Votre espèce doit beaucoup apprendre. Commandant. Et maintenant, des Asari mutantes. Les moissonneurs ne sont qu'une gigantesque usine à cauchemars. J'ose pas imaginer ce que les moissonneurs font aux Drell, aux Anari et aux Vorcha. On n'a pas encore tout vu. Et commandant, j'ai retrouvé des lettres de ma petite sœur quand elle était au lycée. C'était une période pas facile, des histoires d'ados. Elle avait juste besoin de sa grande sœur. Et avec tout ce qui s'est passé là-dedans, ça m'a donné envie de les relire. Vous vous faites vraiment des amis bizarres, Shepard. Ce n'est pas un aspect des Asari que je veux connaître. Shepard ? J'ai toujours adoré le M35, Mako. Il a un cœur, en fait. N'importe quoi, le M44 Hammerhead lui est bien supérieur. Ah, ce truc est en carton-pâte. Au moins, le Mako peut encaisser quelques tirs. Heureusement, ce truc avance comme un rhinocéros bourré. Aucune agilité. Plutôt comme un taureau, qui pourrait grimper pendant des jours et des jours. Il ne grimpe que grâce à ses saletés de champs gravitationnels alignés verticalement. Saute ou reste, pas de vitesse, pas de mouvement latéral. Avec un canon pareil, qui a besoin de bouger? Si c'est ce que tu veux, pourquoi ne pas en rester au vieux M29 Grizzly? Hey, j'adore ce tank. Ha, je savais que tu aimais les grosses choses poilues, monsieur Vega. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Hey. La prochaine fois que vous faites sauter un monastère, dites-moi que vous êtes à l'abri avant que ça pète. Il faut que je sache si je ramasse mon commandant entier ou à la petite cuillère. Gentil Toto.